ancien sénateur John Joel Joseph, qui participait notre touye président Jovenel Moïse, fait une grosse déclaration devant juge américain Lauren Louis. Eh bien, sénateur, il déclarait dossier assassinat président Jovenel Moïse, son dossier qui est sensible en pile, en pile, en pile. Et derrière assassinat, ça gagne plus intérêt toujours. M'bral baou tout détail yo dans un petit moment. FBI gagne en liste, et dans liste, il y a plusieurs politiciens et businessmen qui ont financé groupe gang 400 Marozo. Selon sa assistant procureur gouvernement américain, Karen Seifert annoncé. Gen koze. Arrestation yon yon tout non zo poisson nan gorge Ariel Henry. Même de yon payan, yon yon still gen pouvoir. Nan moment nan pale a la, avocat yon yon, ki se monsieur Alain Orenberg, vle kouri kite dossier a. Tout détail sa yo ak an pil lot toujou se nan yon ti moment. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 609, tout haïtien connecté ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous porter information pour vous, pour nous traiter information avec ou dans souci pour toujours être connecté dans ça qui a passé en dedans pays en Haïti. Un grand merci à chaque ami qui prend temps yo, qui prend soin yo pour garder vidéo à commenter, partager émission et ou même qui fait tomber sur channel là qui pourquoi abonner, pas hésiter faire ça puisque là on a besoin de bon gens information, bon gens analyse en toute objectivité. Il m'a rappelé nous l'autre fois comme mes amis moi nous pourquoi dit rien pour projet fête des mères. En Haïti, nous fêtons fête des mères dernier dimanche dans mois mai. OK? Donc là projet a été lancé depuis dimanche côté que n'a fêté avec 100 mamans avec 2500 gourdes ou bien $25 américains ou qu'a participer ou qu'a supporter projet ça. En façon pour nous bailler moun sa yo un petit bagay, pour ton petit bagay ba yo pour yo souri. Un petit bagay qui pour faire cœur content. Donc comme d'habitude c'est ou même qui toujours participer avec moi dans projet qui toujours aider projet yo réussi. Donc m'a tonne participation relais écrit dans 38 96 38 19 qui c'est numéro émission mon éditorial avec Yannick. Donc là nous pral parler pays, nous pral faire débat, c'est ça nous connait, c'est ça nous fait pi bien. On allait préparer. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. La justice américaine à travers procureur américain, ça nous est le commissaire gouvernement en Haïti, lui-même, il a décidé de déposer une plainte pénale contre tout le monde qui participait à assassiner président Jovenel Moïse. Et parmi eux, déjà aux États-Unis, où il y a Mario Antonio Palacios Palacios qui était déjà joué en extradition, saute dans le pays Jamaïque, rentré aux États-Unis, ou bien Rodolphe Jean Dodoff qui joue une extradition sur la République Dominicaine rentré aux États-Unis. Eh bien, hier, c'était tout pas John Joel Joseph lui-même qui, depuis vendredi dernier, il était transféré le pays Jamaïque, était transféré le Miami pour te répondre à la question juge fédéral là, qui c'est Lauren Louis. Eh bien, John Joel Joseph lui-même, il était profité pour le faire un paquet de déclarations. Déclaration ça on pas caché du nous gen bagay ou pral dande la ki pral lever plume sous do ou gen bagay ou pral dande la ki pral choquer ou parce que ou pral réaliser que Jovenel Moïse est-ce que réellement le pral joine justice nan ligne noue gouvernement américain pral là. Pas oublier ce même gouvernement américain ça qui s'est décidé tout récemment pour classifier un paquet de preuves qui concernait même assassinat président Jovenel Moïse. Et nous voyons continuer à faire la chasse aux suspects, yo continuer à marrer moun, yo continuer à extrader moun qui impliquaient dans tout le président Jovenel Moïse. Eh bien, John Joel Joseph, premièrement, il pas caché et peut-être contentement parce que il est arrivé, il atterri aux États-Unis.
Parce que pour John Joel Joseph, dossier assassinat président Jovenel Moïse son dossier qui est extrêmement sensible. Parce que dossier ça, il y a un paquet d'intérêts qui en jeu là-dedans. Il y a des intérêts politiques, bien entendu, mais il y a un paquet d'intérêts économiques qui cachent derrière lui. Mais, en nous sérieux, pendant John Joel Joseph fin déclarer tout intérêt ça yo, pendant John Joel Joseph lui-même li déclarer son dossier qui sensible, li nou li fait plus confiance avec la justice américaine pour trancher sous dossier. Pendant que même justice américaine non, même département d'état américain, même gouvernement américain a prend des décisions pour casser feu, couvrir ça pour protéger un paquet moun, un paquet étranger pour protéger un paquet haïtien qui bail étranger job pour venir touyer président Jovenel Moïse la caïli en Haïti. Donc dites tout bien, est-ce que John Joel Joseph il pas tout intérêt pour te demander pour te accepter extradition vers les États-Unis? Parce que nèg yo tout moun wè yo prend yo bon seul envie, yo bon seul volonté, seul désir yo gagné, c'est rentrer États-Unis, al passer devant juge américain, al passer devant procureur américain. Donc là ou déjà senti que John Joel Joseph lui-même li gagne un paquet de garanties. Li gagne des garanties parce que premier bagage c'est qui ça lié. John Joel Joseph li dou li était pour parler avec un citoyen américain. Et citoyen américain ça li fait comprendre, li fait connaître, li parle l'autre que pasteur. Ah oui, pasteur, comment pasteur ça te le pasteur Emmanuel Sanon lui-même qui dans pénitencier national. Parce que pasteur Emmanuel Sanon te bal garantie la président pays yo. Et tout rêve, toute vision, toute ça t'a enchéri lui-même, c'est pour l'ouel tes premier ministre. On est qui sénateur en dedans pays de 2009 à 2015. Pendant toute période ça, en tant que sénateur l'ouest, nous pas qui réalisation John Joel Joseph, nous pas dans qui ça t'a contribué comme loi, nous pas qui ça John Joel Joseph t'a fait, et puis comme Haïti en son savane, Haïti en son poulailler, Haïti en son repère gang, repère bandit, et puis il t'a maintenant tête, t'a pas le prochain premier ministre dans le gouvernement qui a vini après au fin assassiné président Jovenel Moïse. Donc là, est-ce que pas gagné on veut par bon côté politicien nous yo pour kembe Haïti non gog magog lié là non situation de criminalité côté c'est chien n'a vive tant coucher manger chien n'a vive côté c'est cochon qui mange moun n'a vive non pays côté c'est chien qui mange moun alors que nèg la li konnen le pas en tant que sénateur pas ka rempli rôle là pas ka rempli fonction li hein et puis kounye li gen nan tête li pour le premier ministre et quand elle va le passer pour le premier ministre, c'est notre touron président. Il n'y a pas de problème, il déclare tout le ça. Et là, il souligne pour le déclarer, pour le plaider coupable. Parce que ensemble des formations, ça yo. Ensemble des formations, ça yo, que John Joel Joseph li bay là. C'est dit catégoriquement, il dit formellement, lui-même, il reconnaît complicité, il reconnaît participation dans le complot qui t'est monté, dans tout complot qui t'a fait pour tout le président Jovenel Moïse. Et il allait plus loin. Il allait plus loin pour le dire que lui-même, avec famille, je dis en là, qui séparé parce que et John Joel Joseph, les États-Unis, mais madame, il y a petit, il y a toujours Jamaïque. Yo toujours Jamaïque parce que processus procédure yo t'a mené pour demander asile politique là malgré que l'état gouvernement jamaïcain interroge te premier yo continue à faire appel de décision dossier sensible pour John Joel Joseph premièrement par rapport avec l'estimer la ville menacée par rapport avec menace qui pesait sous lit qui pesait sous famille même sérieux en si John Joel Joseph là li peuple t'a mouri. Nous prenons toute liberté, nous planifions l'assassinat en président et puis nous-mêmes, nous peuvent ne pas mourir. Comme si l'amour n'a pas existé pour nous. L'amour n'a pas existé pour nous. Et là, on vient de sortir que, par rapport avec tout à l'aise, ouais, John Joel Joseph à l'aise pour l'entrée aux États-Unis, c'est parce que yo connaît pertinemment bien que le gouvernement américain, malgré que il y a des séries de preuves là, si le gouvernement américain t'a vu avec sous table, qui pral dou, mais qui a un chef bien, mais qui a un DIA, qui participe à l'assassinat président Jovenel Moïse, yon pral remonte pis sans.
Yon pral remonter puis ça, yon pral jouer nos paquets politiciens, yon pral jouer nos paquets nèg qui dans secteur privé des affaires là, qui yon même gen de très bonnes relations avec agence ça yo, et même au niveau de l'international, même au niveau de gouvernement américain, on pral jouer nos paquets officiels, nos paquets diplomates qui yon même gen de très bonnes relations avec moun sa yo qui participe dans tout le président. Donc là, que vous admettez, que vous pas admettez, que vous voulez, que vous pas voulez, gouvernement américain, Jean Bagay, vous pralez là, nous pas besoin d'attendre nous que John Joel Joseph et pralgon bagay grandiose qui pral fait avec, même Jean pralgon bagay grandiose qui pral fait avec Palacios, même Jean pralgon bagay grandiose qui pral fait avec Rodolphe Jean. Parce que vérité, c'est qui s'allie, pas bon côté gouvernement américain, pas aucune bonne volonté vraiment pour Jovenel Moïse Jeune Justice. C'est seulement logique puisque tu as une procédure qui t'a commencé. Puisque gouvernement procureur américain l'était déposé en plainte pénale par rapport avec différents mouns qui ont même participé dans le complot, il a continué pour qu'ils soit pas jamais tendre au mari directeur CTUA. Pour qu'ils soit pas jamais tendre au mari Antonio Andriago. Alors que c'est dans CTU toute bagaille était négocié, c'est dans CTU toute bagaille était décidé. C'est CTU qui te mette l'argent disponible pour Emmanuel Salon, ou pas j'aime de quoi que ce soit, pas j'aime bon procureur américain qui doit attendre un triangle, pas j'aime bon procureur américain qui doit décider pour mettre scellé sous CTU. Pas j'aime des bagages comme ça qui parle, pas j'aime des informations comme ça qui rend public, mais quand il s'agit de John Joel Joseph, Rodolphe Jean et Antonio Palacios, moun sa yo, yo à l'abri par rapport avec ruse que gouvernement américain a joué, par rapport avec stratégie yo mette en place pour casser faire couvrir ça. Donc là, que autant de John Joel Joseph dou, oh, c'est un dossier sensible, m'peu pour vivre, m'peu pour ceci, m'peu pour cela, tout ça, c'est maniguette, parce que nègre, si yon pas de bon garantie, yon pas de l'autre côté que Haïti. Et Haïti, yon se salier, Haïti, yon se saran, yon vle faire le tourner. Hein? Tout nègre a bataille, tout nègre a poté bourré pour yon quitter, pour yon aller. Y a toujours une intention de craser le pays. Hein? Comment faire John Joel Joseph pas arriver pour le premier ministre en Haïti? Bon, son pays crase, son pays calambo. Et c'est même nègre ça qui crase. C'est même nèg sa qui crase John Joel Joseph te sénateur. On parle de John Joel Joseph, on parle de sénateur. M'espère pour nous suivre par coule palmarès si pour nous qui modèle sénateur l'ouest sont te gagner. Nèg yo pas capable criminel ouais. Nèg yo pas capable criminel. Yo prend pays pour un savane et yo même yo pas konn an envay man et nan fay man malanga. Donc ou vinn trouvon nou situation, laisser gang qui sous pouvoir, laisser gang kap prend décision. Donc c'est normal pour gon pays qui konsa un pays qui gon haut niveau de criminalité là-dedans. Un pays côté jodi a la Matisan, son zone qui est praticable. Kwa de Bouke son zone qui est praticable. On pas qu'à zone de nos droits dedans pays parce que c'est même nèg sa yo qui t'a contrôlé l'ouest, c'est même nèg sa yo qui a fait capital politique yo avec insécurité, qui a fait capital politique yo dans insécurité. Finalement, n'a pas pour nous John Joel Joseph raison, on pour qui ça parce que si Haïti son ton pays vraiment, si nous t'ai la justice dans pays nous vraiment, ouais nèg sa yo. Ouais tout nèg sa yo qui fait partie de rapport de CPJ. Hein? Faut que t'as sur place publique depuis 7 juillet, ça a pris un micro dans main, yo. L'on regarde les photos, ça faut que nèg yo t'a expliqué, nous connaissons le corps humain, ou fait avec 12 paires de côtes. Ou fait avec 12 paires de côtes. L'on regarde les photos, ça. Et ça, yo, parce que me connais photo, a, li ka frustré, ou, photo, a, l'ka dérange, ou, mais, nous obligés, ou, font retour en arrière. Nous obligés, font petit bac pour expliquer, ou, qui ça justifie niveau, cruauté, ça. Qui ça justifie aujourd'hui tout trahiment ça dans nos photos ça on regarde là. Nous gagne 12 paires de côtes tout à contrôler pour garder combien côtes nèg yo retiré dans corps président Jovenel Moïse Koutmas. Combien côtes yo cassé avec Koutmas? Qui ça justifie? Qui ça justifie haine ça? Qui ça justifie tout trahiment ça? Tout cruauté ça? Qui ça justifie? Ou pral dim, ok, pas de problème, un groupe colombien rentre en Haïti, li touye, li assassine président. Mais colombien yo, leur vin en Haïti ou di yo al tout le monde par exemple. Son exécutionnaire, la vin il kabon bal, li ba ou deux bal, etc. Al tout yo, li gen mission pour tout yo. Mais jodi yo la, est-ce que réellement c'est colombien yo, ou bien parmi colombien sa yo, te gen yon paquet
te des hommes politiques, te gen des moun qui te gen problème direct avec Jovenel Moïse, qui ont même décidé qui ba tête sur toute liberté pour faire crime ça dans niveau ça. Pour ça on pas prendre petit temps pour poser tête une question ça, pour demander est-ce que John Joel Joseph pas entre dans chambre non? Pour poser tête une question tout bon. Est-ce que mon paquet politicien Jovenel Moïse t'es tiré pit avec là? Est-ce que nèg ça pas dans chambre? Parce que crime ça n'a pas gardé à niveau hand ça qui dans crime ça. Ça pas pareil colombien non? Quoi me dit nous voulez ça m'a gardé là dans côte ça dans photo ça, il pas ca bagaille colombien fait. Ça li plus dégage un sentiment haïtien. Ou konn les haïtiens gen rage contre tout? Ou pas comme les moun nan gen rage contre par exemple un petit problème avec un voisin, un moun qui bo la caillou. Ou pas comme ça fait, mais li même li connaît qui problème li va. Ou bon poule, ou bon petit poule qui innocent pas dans aucun problème moun nan, faut que li balon coup de balai, faut que li balon coup de roche, faut que li casse pied. Ou comprenez? Ou bon chat qui rentre la caillou moun nan, faut que li balon poison. Alors que bête là pas rien avec donc ou pral comprendre haïtien tout naturellement leur non problème avoir leur en face sur bon niveau haine ralliement ou donc là ou regarder dans photo ou regarder dans photo comme ça mon cher bon niveau haine m'ai presque les nèg yo bat Jovenel les nèg yo bat président yo fait la rage yo fait la avec haine ou senti toute indignité yo fait nèg la vivre avant yo touyer toute souffrance toute calamité regardez tête là photo crâne. Crâne cassé l'ouvert. Ou vin senti comme si get trop haine, get trop zo amé, zo cassé, fêlé cassé, tout zo bassin président. Kout ma konnen, kout rache, kout manchette, kout masse. Là on pral di monsieur colombien qui fait ça moi là yo. Ou pral di m pa gwa haïtien même. M'a parlé de James Solal, Joseph Vincent, m'a parlé de Nexao. Moi m'a parlé de bon politicien. M'a parlé de Nexao qui te besoin voyer Jovenel aller prendre place. 7 mois, 4 ans bataille kif avec Jovenel Moïse, Jovenel rete là pour pire. Donc 7 mois il va te carré de faire. 7 mois il va te carré de faire comme si en 7 mois là, nous que 10 mois tout le président là, qui ça qui changé? Qui ça qui change? Au contraire, moi, le monde a parlé de conditions qui sont plus dégradées. Depuis après l'assassinat du président, conditions qui sont plus dégradées. Donc, là, on a dit, c'est criminel, c'est bagage, c'est acte de cruauté, c'est eux-mêmes qui tapent au changement, c'est eux-mêmes qui tapent pour tranquillité, c'est eux qui tapent pour sécurité, c'est eux qui tapent pour stabilité. Dossier sensible, vraiment, John Joel Joseph. Dossier sensible parce que nous ne pouvons jamais connaître parce que la justice haïtienne, son justice qui corrompt, son justice qui vend avec même Ned Sayo qui participe dans le complot qui sous pouvoir là. Nous ne pouvons jamais connaître sous tes rentrées dans la chambre président, sous tes ballons coup de masse, sous tes ballons coup de mato, sous tes ballons coup de biré, sous tes. Nous ne pouvons jamais connaître ce que tu fait. C'est normal, je dis là, pour faire un mort pour vous, pour faire un mort pour petit tout, pour madame mou, parce que nous vivons dans le pays, nous vivons dans la société quand tu pas une justice. Si tu as justice, longtemps tu as pris un code pour prendre, longtemps tu as commencé à purger peine pour purger. Parce que pas rien qui justifie niveau cruauté ça. Pas rien qui justifie aujourd'hui, ça m'a gardé là, toute indignité ça, toute haine ça, tout mépris ça. Même là, nous obligés à faire raciste. Tout pour nous, le président nous fait raciste. Même là, pour sentir niveau haine. Et puis, quand il y a un nègre qui dit qu'il y a dans la justice américaine. La justice américaine qui ça? La justice américaine pour qui ça? Mais c'est même américain ça qui décide que moun ça qui implique dans tout le président Haïti, pas besoin de connaître Haïti, pas besoin de connaître non? Parce que l'identité est protégée, l'identité est secret par rapport avec ce que nous mettons. Donc, qui ça m'a pour m'a là aux États-Unis? Qui ça États-Unis qui offre? Et puis, quand la bagaille qui est extrêmement important, comprendre et dans le dossier John Joel Joseph là, et avant nous passer dans yon. Quand on parle qui est important, quand on parle de John Joel Joseph, John Joel Joseph lui admet que je te mettais et machine à la disposition et mercenaires colombiens. Lui admet que je te fournis au moyen logistique. Lui admet que lui te rencontré avec James Solage 6 juillet. Lui admet que le participé dans plusieurs réunions avec commando. Yo. Et puis jodi an la, c'est même John Joel Joseph ça qui est garanti.
Jodi an se même John Joel Joseph sa la justice américaine a kase fè kouvri sa pou li. Kase fè, deside mette preuve sa yo sou sele. Se protège Marion Antonio Palacios Palacios, se protège Odon Jean, se protège John Joel Joseph, se protège Ariel Henry, se protège Linné Balthazar, se protège tout nèg sa yo ki yo même yo impliqué de près de loin de très loin dans touye président. Donc là ou doit comprendre bagay yo Jean yo ya noir sur blanc. Yo te met rive yo dou yo pran jusqu'à dernier moun ki participe nan touye président. D'autant preuve sa yo classifie aux États-Unis, pa gen rien k'ap changer. Et d'autant ouè, moun ki participe ki implique nan touye président yo dou, yo gen plus confiance dans la justice américaine, ou pa besoin kwè gen rien k'ap régler. Parce que criminel nan pa ka dou, li plus fié justice dehors que justice dans pays. Pendant après les nabdou la justice haïtienne corrompue, oui nèg yo dou yo plus fier justice de yo a bien parce que justice de yo a pi bon pour yo parce que justice de yo a plus garanti pour yo. Vous comprenez? Donc au lieu pou nèg la ta dou menem la kay mwen kite m la kay mwen dou voye l dehors de yo a pi bon pour li. Donc noir sur blanc ou met tande a mari nèg chaque jour au niveau et gouvernement américain la justice américaine c'est pas nan aucun intérêt pour Haïti. On nous prend petit pause bon regard, on a retourné après dans dossier yon dans liste FBI ça gain par rapport avec politicien nèg qu'on a financé gang 400 Marozo et jusqu'à date nous gagne complice yon qui au niveau des États-Unis qui t'a vivre États-Unis yo même Elliot Duniz gagne d'or gagne avec l'autre monsieur ça yo même yo décidé yo plaider non coupable. Yo plaide non coupable, yo reconnaît malgré yo fè conteneur zam rentre en Haïti, yo pa coupable. Malgré yo prend l'argent kidnapping nan men yon pou achete zam, yo pa coupable. Et bien, yo pral jwenn tout information sa yo, tout détail sa yo, après pour ça. Nous gen deux produits sa yo, qui se gen outil et gen ban. Yo chaque vini nan 3 phases, 3 étapes, 3 dosages. Yo chaque, c'est pour 1 mois utilisation, pour faire un traitement de 90 jours chaque. Nan gen outil ya, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il pral décalcifier corps cavernous, tissu spongieux pénis lan, pour augmenter l'élasticité tissuelle gen ban. Il a pour optimiser santé générale. Il est composé à partir d'une graisse blanche médicinale et but ultime, c'est faire l'organisme produire en pile hormone testostérone qui pral barou sans rouler libido. Il va faire sans une plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-846-9776 www.zestofmoringa.com. Est-ce que ça qu'on arrive à poser cette question pour qu'on ait pour qui est réellement groupe gang 400 Marozo à travailler? Parce que nous prenons une petite logique pour le comprendre. Nous avons des 400 Marozo qui sont politiciens qui sont financiers. Nous avons des 400 Marozo qui sont des hommes d'affaires, entrepreneurs qui sont financiers. Soit pour protéger le business, soit pour avoir un accès à un business, soit pour 400 Marozo craser un autre concurrent pour eux, etc. etc. Nous toujours dans des détails ça mais on nous garde logique là Jean Bagay là doué Jean Bagay là hier on parle de gang 400 Marozo. 400 Marozo est un influence 400 Marozo gros paquet territoire gros paquet zone ni contrôlé. L'on parle ambassade États-Unis. Ambassade États-Unis li positionné dans tabac. 400 Marozo occupé un paquet de zone, un paquet de périmètre, 400 Marozo dans la commune Pétionville, 400 Marozo dans la commune Tabor, 400 Marozo occupé ni rentré ni sorti espéyan, li contrôlé rentré nord pays. Donc 400 Marozo ça c'est pas un petit gang, c'est pas le moindre. C'est gros tonton gang qui gen dans tête li gros tonton chef ça, noir sur blanc c'est ça lié. Mais même 400 Marozo ça encore qui occupe périmètre ambassade américaine qui a lié avec avec Negla dans tabac oui qui a lié avec entrepreneur vite l'homme les entrepreneurs Negla c'est ça m'entendez c'est ça l'état haïtien te dit on juge te dit même 400 Marozo ça
Li dou en bas périmètre ambassade américaine non c'est lui même qui contrôle même 400 marozo ça li dou le gagner blindé le gagner machine ambassade américaine qui a fait route là pour aller ambassade là yo décidé attaquer. Mais est-ce que nous jamais entendu ambassade américaine li dou pral prendre des dispositions par rapport avec gang 400 marozo? Est-ce qu'on entendu ambassade américaine dou c'est bon moment pour yo retirer restriction zam qui gagne sur Haïti ou bien embargo zam qui gagne sur Haïti pour gouvernement haïtien pour PNH qui tout moyen toute liberté pour commander zam pour acheter zam pour bataille avec monsieur ça ou chambre dans des bagages ça par rapport avec toute situation ça par rapport avec toute question ça yo pour qui est réellement dans 400 marozo l'an mois sans jour travail parce que premier bagage ou tendez yo arrêté Elian Tunis États-Unis. Ou tendez yo arrêté Walder Saint-Louis États-Unis. Ou tendez yo arrêté Dor aux États-Unis. Jocelyn Dor aux États-Unis. Tout ça c'est moun qui a vécu aux États-Unis. C'est eux même qui kon a fait conteneur zam voyé bay la mort sans jour voyé bay yon. Et l'obra la apprendre que gen des politiciens ou pral apprendre que gen des hommes d'affaires qui sont en liste que FBI gagne qui gen pouwe avec même trafic d'armes ça même kidnapping groupe 400 marozo a fait et yo dou le conteneur yo vini côté à laver yo la boule 16 et on parle de la boule 16 li loin 400 marozo li loin quoi des bouquets li loin Grandier li loin Tabor. On parle de la boule 16 jodi qui est en dedans pays qui est qui homme politique qui nèg dans secteur privé an, qui moun ki gen moyen ki rete nan zone sa yo. Pose tout question. Donc, d'une manière ou d'une autre, parler de 400 marozo, parler de l'an mo sans jour, parler de yon, c'est mettre le cap direct vers un paquet moun ki gen autorité, vers un paquet moun ki gen influence, ki gen pouvoir en dedans pays an, ki gen mot parole pour yo di par rapport avec décision politique kap pran. Par rapport avec décision qui doit prendre au niveau CSPN, décision qui doit prendre au plus haut sommet de l'État pour qu'on ait ce qu'il y a bien sécurité en dedans pays, pour qu'on ait ce qu'il y a bien stabilité en dedans pays. Tandis, yon dou, le ZAM a rentré en Haïti, comment Elian Dio qu'on fait? Ma parle de complice. L'amour sans jour qui était l'amour sans jour complicion yon qui États-Unis. Yo dou à première vue yo utilisent baril, yo utilisé doum plastique yo. Lo ap gade doum plastique ça, ap di c'est bagay ki gen manje dedans yo, et bagay ki gen ti jus, ki gen di riz, pois, sucre, lait de spaghetti, bagay ça va bien oui. Yo utilisé baril za yo, yo mette zam yo en dan, gen yo yo même dou gen zam yo démonté, mais ça qui rive pendant yo démonté zam, yo bay toute disposition, yo bay toute information kote ap jwenn zam za yo. En dedans doum za yo, yo mette zam, yo mette duri sou yo, yo mette gen doré sou yo, yo mette rad sou yo, et puis yo voye en Haïti, yo mette en conteneur pour yo voye en Haïti. Mais qui ça qui paraît extrêmement surprenant dans toute bagaille ça? Ça qui prend surprenant, ça qui prend faut saisir, c'est parce que même Elian Tunis ça, même Walder Saint-Louis ça, même Jocelyn Dor ça, États-Unis yo même yo contrôlé question zam. Yo contrôlé zam, lo acheter zam, yo contrôlé est-ce que zam nan li rete nan men, yo contrôlé est-ce que zam sont pas voyer la et ou pas voyer l'autre pays, est-ce que zam sont pas faire trafic avec. C'est ça qui fait au niveau dans pays États-Unis gagner yon institution yo relé ATF. ATF lan li même li la pour contrôler alcool, li la pour contrôler tabac, li la pour contrôler tout ça qui gen pour avec zam. Yo dou nan acte d'accusation non scellé. Nous parlé de acte d'accusation récemment. Dans acte d'accusation, côté que yon mette yon avec complice li yo, qui yon même yon en face gouvernement américain, yon fait connaître dans acte d'accusation ça, que à plusieurs reprises, ATF détecte que moun sa yo ki aux États-Unis qui a acheté zam qui a acheté munitions pour voyer en Haïti bay l'an mois sans jour bay 400 marozo yo détecté que moun sa yo même leur acheté zam nan leur acheté munitions yo fait l'autre chemin
yo pa kite yo en Haïti, yo pa kite yo États-Unis vraiment, yo pa servi avec États-Unis vraiment pour intérêt pa yo, pour besoin pa yo, c'est trafic d'armes en fait. Imaginons quelques secondes. Depuis bien longtemps, depuis sous premier, deuxième, troisième achat d'armes non. ATF découvre que zam sa yo pa rete aux États-Unis. Yo voye yo en Haïti. Bon, pour qui ça nous oblige à quitter un quatrième, un cinquième, un sixième, un dixième, un quinzième, un vingtième? C'est parce que premier bagay qui intéresse nous, c'est l'argent. N'a vendre zam en dedans pays nous, nous faire zam pour nous vendre, nous faire balle pour nous vendre. Yo a vendre kidnapping en fait en Haïti, l'argent pour aller joindre nous États-Unis, l'argent pour rentrer dans l'économie nous, n'a fait zam rentrer en Haïti. C'est comme ça pratique là. On y a le ATF décidé, il dit OK. En premier fois, en deuxième fois, en troisième fois, yo wè zam ap circulé, yo wè Eliand, yo wè Jocelyn, yo wè Wadler, là yo acheté zam nan. Zam nan pa rete nan men yo, c'est pas pour besoin pa yo, c'est pour yo al vann après ça. Donc moun sa yo fò yo veye yo. Mais nous prend trop temps pour nous veye yo, nous prend trop temps pour arrêter yo. Et jodi an la, moun sa yo en détention, yo arrêté yo. Même jan yon li en détention, mais fò konnen trois complices yon sa yo, même yo plaide non coupable. Yo pa reconnaître que yo fait trafic d'armes non avec 400 marozo. Yo pa reconnaître que yo voye zam en Haïti non. Yo pa reconnaître que yo voye bal en Haïti non. Yo pa reconnaître que zam yo voye bay 400 marozo, li touye yon paquet haïtien avèl, li fè kidnapping avèl. Yo pa reconnaître bagay sa yo. Donc a qui la faute? A qui la faute, qui responsabilité ATF gagne? Est-ce que c'est parce que c'est Haïti qui fait yo prend tout temps ça pour te stopper monsieur dame sa yo? Est-ce que c'est parce que c'est Haïti ou pral di mis son enquête ça mené? Au premier fois moun nan fèl la loi interdit pour yo faire trafic d'am, au premier fois le fèl ou pas maril. Alors que l'on fèl, l'on manqué avec, l'on violé loi ATF yo, ou ka prend jusqu'à 20 ans prison, ou ka paye jusqu'à 1 million de dollars américains, mais yo pas jamais prend aucune disposition contre ni Eliane, contre ni Jocelyn, contre ni Walder. Li fèl l'on première fois, li fèl l'on deuxième fois, li fèl l'on dixième fois, li fèl l'on quinzième fois, déjà. Puisque c'est Haïti. Donc, qu'on y a posé cette question, qui moun ki gen intérêt pour zam rentrer pour 400 marozo fè plus l'argent, pour 400 marozo fè plus kidnapping, pour 400 marozo pour plus territoire? Qui yes? Est-ce que c'est seulement politicien sa yo qui soulise FBI yo? Est-ce que c'est seulement entrepreneur sa yo qui soulise FBI yo? Ou bien gen même des diplomates, gen même des étrangers qui yo même yo gen des intérêts? Parce que bon, dis nous, une fois nous qu'on a regardé des séries de films, on a regardé côté qui ont pas qu'être diplomate, ont pas qu'être étranger, qui ont même yo vin travail dans pays, yo prend pays ça comme si c'était pays était bien maman ou bien papa. Nous pas c'est menti. Moi même gros paquet de films, on a regardé films ça yo, c'est reproduit, c'est retranscrit, retranscrit à la lettre. Ensemble de pratiques qui gagnent aux États-Unis, ensemble de dérives qui gagnent aux États-Unis. Parce que l'on capable d'accord ou capable d'admettre, oui, bon paquet diplomate ou paquet étranger qui corrompu. Ou en tout bagay 400 marozo ça, ou pas ça pi frustrant, m'braldo. Maintenant, on a m'attendé de GPNH, François Albé, qui lui-même, li senti confortable, li senti li réussi. Pour tout temps, l'on a tête PNH, senti réussi. M'a pas aucun problème. M'a pas de problème parce que c'est droit, li gen droit pour senti li fait bon travail, li gen droit pour senti li satisfait avec travail qui fait là. Mais m'a tout dit nous PNH en moment là yo avec ti moyen yo gen y a travail, y a fait ça yo ka fait y a travail parce que yo bon opération là et dénicher bandi dénicher bandi et bon opération déblayage y a chercher bandi, y a stopper bandi, y a blessé bandi mortellement et c'est bien. Yo font paquet saisie, yo saisie 233 armes, yo stoppé près de 90 bandits, etc. Donc là, on bilan. Mais en dépit de tout ça, on nous sérieux. Nations Unies sorti un rapport côté que Haïti là, nous souligne pour nous gagner 500 000 armes illégales qui circulent en lieu dans le pays. Le DGPNH, le lab gardé, bilan limité de yon là par rapport avec 500 000 armes illégales. Est-ce que réellement il y a de quoi pour vanter mérite ou pour vanter que ou satisfait de travail? Préférez te quitter, c'est population
formation qui dit et bon DG me sent toi font bon travail, me sent PNH font bon travail. Parce que jodi an là, parler de satisfaction ou pas qu'à parler de satisfaction pendant que moun but bois et pas carrette la caillou. Moun quoi des bouquets pas carrette la caillou. Moun Matisse pas qu'à passer. Ou pas qu'à parler de satisfaction pendant que moun Jacques Mel pas qu'à rentrer Port-au-Prince. Moun Okaï pas qu'à rentrer Port-au-Prince. Moun Jérémy pas qu'à rentrer Port-au-Prince, ou pas qu'à parler de satisfaction. Ou pas qu'à parler du sentiment du devoir accompli pendant que jodi an là à plusieurs reprises nous voyons Ariel Henry qui promet yo pral débléer rentrer sud bayan par jambe grand merde qui fait pas jambe grand qui fait opération relé débléay dénicher bandi débléay ouais. Donc jodi an là on pral dire que ou satisfait ou sent ou confortable ou pas confortable. Ou pas confortable parce que jodi an la nous cacher des incompétences nous gagne, nous cacher des mauvaises foi nous gagne pour nous dou pour autorité ou dou que yo pas ka commander, pas gen l'argent pour commander des armes pour la police, pas gen l'argent pour commander des armes pour la police, mais nous gen l'argent pour n'a bay subvention gaz, nous gen l'argent pour n'a subventionner gaz pendant que même secteur privé ça y a fait beurre, y a fait l'argent sous gaz encore. Mais pas gagner l'argent pour acheter des armes, pour acheter munitions, pour acheter équipement, by monsieur policier yo, by monsieur PNH yo, pour aller croiser bandit, pour aller camper bataille avec bandit. Donc est-ce qu'on comprend? Question de sécurité en son question côté que depuis ces nèg, depuis ces pays où k'ap dou Haïti pa gen droit gen zam, Haïti pa gen droit acheter zam comme ça, c'est département d'état américain qui pou bay aval, qui pou faire ceci, qui pou faire cela. On met tout dit tout insécurité en ces mêmes nèg sa qui créer, ces mêmes nèg sa qui metel. Parce que tout pays grand moun tête yo, tout pays ces pays, m'pa ka comprendre, m'pa ka wè jodi an la, nou gen pays nou tourné ti moun, haïtien tourné ti moun la kayli, parce que yo prend président yo fait tourné choul, yo prend premier ministre yo fait tourné choul. Donc si Ariel Henry ça pas de bon bagaille pour te wè avec assassinat président. Nous pensons même États-Unis ça va d'ab dire la vienne maintenant pas de cas avec Ariel Henry. Nous pensons Ariel Henry t'a libéré, t'a parlé concerné sur dans tête pays hein, dans tête gouvernement. Moi je suis sérieux, nous garder bagaille aux gens ou attendez. Ariel Henry pas font pas quitter en Panago. Sauf si nous t'gagne 8 millions moun qui dit, yon mobilise la, yon prend la rue, yon font mois, yon font semaine, yon fait deux semaines à mobiliser, tof de Ariel Henry. Là, Ariel Henry ta wè boal mare vre, le sal, il a décidé pour l'aller. Mais autrement, par yon merde ka fait, c'est blanc, mais Ariel là, Ariel a travaillé pour blanc, donc c'est normal, même là nous relè, même là nous crier, même là nous 10 000 nous quitte kay nous, même là nous 10 000 bandi mette nous dehors, ça pas mêlé yo, yon soud yon avec yon batte de yon pa wè. Donc là pral dim que n'a pas compté sur États-Unis toujours, n'a pas compté sur bonne foi toujours. Yo fin admettre tout est président nous, yo fin admettre et yo assassiner président nous, yo couvrir pour assassin, yo pour complicité et puis là nous pral tande États-Unis pral vinn mettre sécurité, vinn mettre stabilité. Mon cul, c'est pas vrai du tout mon cher. C'est pas vrai du tout. Et nous te ouais le pour préférer nous te gain 10 Donald Trump parce que Donald Trump nous tout te ouais qui ça nous te ka attendre nous. Donald Trump lui doit Haïti son shithole, son pays de merde lié, tout le monde te connaît. Nous frustrons, nous fâchons, ok, mais aujourd'hui, là, on Biden, cap dodo, nous cap sucre, nous cap passer si au miel souvent, nous, et puis nous pensons que c'est vrai. Nous pensons que c'est vrai. Ah bon? En tout cas. Et là, on a quoi que vraiment, on justice pour Jovenel Moïse aux États-Unis. Pendant la caille, nous, là, nous avons tout problème, insécurité, nous avons problème gang, nous pas bay jeunes, yo possibilité, pour yo vendre talent, yo, pour yo montrer qui ça yo ka fait, qui ça yo vaut. Et pourtant, il y a un paquet de jeunes haïtiens qui aux États-Unis qui a évolué, qui a capacité, qui a aptitude, qui baille tête yo responsabilité, je dis en là, pour faire des bagages qui positifs, pour yo ouais haïtien, li pas forcément en Haïti pour évoluer, si en Haïti on pas ka évoluer, mais de l'autre côté yo yo ka évoluer. Eh bien, je dis en là, on a émission mon éditorial avec Yannick. Moi après recevoir Yaya MPL qui lui-même son jeune haïtienne qui ont paquet de talent et qui bay tête li le devoir je dis en là pour mettre campé un paquet initiative li gen organisation non profit organisation à but non lucratif li pral parler nous de ça li pral présenter nous parce que gon paquet bel projet là li lancé. Et bonsoir Yaya, bienvenue dans l'émission mon éditorial avec Yannick. Bonsoir, bonsoir Yannick, merci parce que recevoir moi dans le show. Bonsoir, comment vous allez?
En forme, et c'est occasion là pour présenter l'organisation hein, et également qui projet qui en cours là par rapport avec et donner nous gagner. Oui. Bon, organisation, l'essai en non-for-profit organisation qui ensemble avec une agence et qui ensemble avec une école. L'organisation avec l'école là, toute agence là, il y a cinq différentes parties dans New York City, nous dans Queens, nous dans Long Island, nous dans Brooklyn, nous dans Staten Island, nous dans Manhattan, nous dans Bronx et tout ça. So, ça nous fait l'école là qui c'est l'école HHH avec PCA, un peu le monde qui a parlé de HHH PCA, il fait HHH PCA qui c'est un travail que l'Oral Kai, yon personne qui âgé, grand monde, ou aller déli, moun ki pa ka aider tête yo, ou aller aider yo si yo malade yo la kay yo tout, ou aller aider yo avec prend soin yo, tant pou bien yo, mete rad sou yo, ba yo manger et tout ça. Donc c'est ça nou rele en Haïti, moun ka okupe ti grand moun yo. Yes, moun ka okupe ti grand moun yo. So, c'est travail ça, travail là. So, non for profit organisation, aider l'école là avancer. Nous aider toute qualité monde, pas seulement pour l'école, nous allons aider dans shelters, côté au grand monde, nous allons aider à jeunes filles, single mothers, donc ou maman petite qui bagué papa, nous aider tout. So, pour nous créer event pour ramasser l'argent pour nous mettre élèves à l'école gratis. So nous bail classe là, une classe qui coûtait $595, nous bail li gratis ensemble avec maman petite, nous bail li avec gratis ensemble avec jeunes qui pas ka aider tête yo. So ça fait nous extend mais nous bail communauté a pour qui aider nous, pour qui mettre ensemble avec nous pour nous ka bail classe ça yo gratis. $595 par personne. Personne qui inclut uniforme là, qui inclut livre, qui inclut uniforme ensemble avec tuition là, tout bagaille là $695 là. Oui. Donc par rapport avec cours ça que nous baille et l'organisation. Donc li ouvert avec tout. Est-ce que li exclusivement pour communauté haïtienne non ou bien est-ce que li ouvert pour tout le monde qui voulait venir participer, qui voulait venir prendre cours? Il est ouvert pour tout le monde qui veut participer. Il n'est pas seulement pour la communauté haïtienne. Nous gagnons toute base, nous gagnons tout le monde. C'est, we are very diverse. Nous gagnons vraiment diversité là caille nous. Toute qualité aid from everywhere à travail, à bras l'école là ensemble avec nous, à l'organisation as well. OK. Gagnons fois ou parler qui que organisation gagne là qui en cours pour manger. Et ben non plus de détails sur l'IAIA. Oui, faire là c'est nous gagnons deux faire n'a fait là, nous gagnons qui c'est 13 juin. Non, I think it's on the 18. Nous gagnons qui c'est sorry. Nous gagnons qui c'est 18 juin et nous gagnons qui c'est 13 août. Faire ça, nous inviter toutes sortes d'agences, organisations, travail, vini chita ensemble avec nous, pour yo partager ensemble avec communauté à qui ça yo même yo fait. Non, si yo besoin monde pour qui travaille pour yo, si yo besoin monde pour qui toute qualité de monde, yo nous inviter yo vin participer dans faire là. Faire là c'est une façon tout pour nous raise money pour nous ka provide training sa yo avec home health aid yo, PCA yo pour yo ka vin prendre cours gratis. Pendant période fort ça est-ce que a tout gagné recrutement puisque gagné ou di a gagné travail qui là gagné des entreprises est-ce que gagné moyen tout pour tout gagné recrutement qui fait si on monde ta besoin jwenn un petit travail là si yo vin dans fort là y a besoin espoir que yo ka postuler.
Oui, oui, oui. I've got different recruitment. So, et ça fait li bon, le yon moun ap vin nan fè sa, pou yon vini bien abye, pou yon vini avec CV yo, résumé yo, pou yon vini pou yon participe, parce que ap gen different employers ki ap besoin moun pou travay. Donc, force, hein, c'est qui côté la fête, qui le la fête, et est-ce que bon numéro qui est disponible, si mon yon a besoin de contacter ou, pour contacter ou, soit pour yon acheter un table, pour yon participer dans la folle, ou bien, si yon moun qui a besoin de plus de détails sur le recrutement, yo. Oui, oui. Faire là, on a fait dans différentes locations. Pour moi, juin, on a fait Long Island, à 111. Boardwilling Brook et puis n'a fait dans Staten Island pas vraiment gain adresse Staten Island dans la tête moi mais toutefois on monde ca contacter moi sur 516-299-9393 et puis extension moi c'est 153 153 ou bien on ca contacter moi sur 917-302-1411 qui c'est cellulaire personnellement, si vous besoin qu'on ait toutefois de faire yo et puis organisation, si vous besoin qu'on ait comment ou qu'on ait une donation tout pour aider un jeune parent à aller à l'école, pour aider un single mother à aller à l'école là, et puis tout ça. Ok. Est-ce que vous avez des projets? Est-ce que l'organisation a des projets et vous envisagez de mettre en place en Haïti? Malgré qu'on est dans le moment à Haïti, ce n'est pas beaucoup qui pense avec lui, mais et c'est sûr que nous avons connu, est-ce que vous avez des projets et nous pensons avec lui pour Haïti? Bon, pour moi-même, je pense avec des projets pour Haïti. Mais pour l'organisation, pour le moment, j'en pays à IEA, il n'y a pas vraiment parlé sous ça, parce que pareil, on dit gens vraiment, vraiment difficile. Moment, comme nous déjà connaissons. Oui, c'est vraiment compliqué. Bon, on foule là. Mais espérez que il va pouvoir défendre Haïti, non, c'est ça. Vous le bagaille au fond de calme. Of course. Le bagaille au fond de calme. Toujours quand je vous paye, tout le côté me passe. Ben oui, c'est normal. Donc là, je crois que nous sommes vraiment attentifs. Dans la force, ça a bien pour faire 18 juin. Et c'est ça, madame Yaya, 18 juin. 18 juin. Donc, 18. Pourquoi pas la non, 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 I'm sorry. Téléphone n'a pas été genre. Non, force à faire 18 juin là. Donc, c'est ouvert. Nous gagnons adresse. Nous gagnons. Ou pas bail l'heure, non? Ou pas bail l'heure. L'heure fois là pour commencer. Ok, I am very sorry. Sauf que tu as fait samedi 18 juin, la commence à 10h30 du matin et pour 2h de l'après-midi. 10h30 pour 2h de l'après-midi. Et oui, oui. Par rapport avec les forces, est-ce que gagne communauté internationale là, qui yo même yo ba nous support nous parce que nous connaissons n'a pas évolué vraiment et aux États-Unis pas de problème mais est-ce que c'est initiative personnelle ou bien que gouvernement américain yo supporte projet etc. Bon projet à supporté par un pile membre de la communauté. Projet n'est pas un projet personnel de moi-même, c'est un projet personnel de yon dame Russian qui yon single mothers et puis li te yon single mother et puis li devé li jouer comment bagay yoyé et puis li vin créer organisation à partir de expérience li fait dans la vie et puis li vle aider communauté à arriver et des jeunes, il veut aider maman qui l'a gagné sans papa yo, il veut aider toute qualité de monde avancer. Son projet ça c'est projet pali vraiment vrai que moi-même moi vienne entrer là-dedans qui sont bagay moi I'm very very happy. Moi fait partie de projet a parce que son projet moi senti moi confortable là-dedans parce que s'il pas rentrer là-dedans moi t'a commencé pas déjà tout. So
Yeah, son projet que moi espéré que un jour moi ça c'est youn constatou Haïti pour te que ma baye jeune yo opportunité pour yo travail malgré moi commencer avec ça moi gen un salon de beauté dans Forja qui gen un barbershop là-dedans c'est une façon pour te créer travail et opportunité pour jeune so moi espère que c'est pas seulement travail ça qui a fait que on ka baye jeune grand monde tout parce que grand monde yo c'est main raison qui fait travail la fête. So yo même tout yo besoin soin. So yon établissement que des grand monde a recevoir soin et jeune yo a recevoir travail. So hopefully. Non, on va continuer. Oui, so hopefully futur là n'a prier pour pays à changer pour ba nous opportunité pour nous ba jeunes ça opportunité parce que sans li pas changer nous pas ça gagne rien nous ka faire parce que insécurité a vraiment mal pour le moment. Et jusqu'à date, est-ce que gagne satisfaction par bon côté organisation de quantité monde qui répond positivement par rapport avec tab qui disponible d'avoir acheté pour venir présenter et business yo projet yo travail etc. Nous satisfait jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent nous vraiment satisfait, nous gagne un pile encouragement, nous gagne un pile support, nous gagne support magistrat Aline Brook là, nous gagne support magistrat Staten Island nan, nous gagne un pile support la communauté a tout nous satisfait. So, si on monde ou besoin en table, il vraiment faut agir vite parce que on pensait que nous rete 3 tables et n'a poussé pour 15 tables et nous gagne un pile monde qui prend table en pile support. Ah, etc. Ben, il a bien marché. Rappelez-moi la dernière fois le numéro ou bien l'autre façon de café pour rentrer en contact avec vous parce que je pense que la communauté haïtienne dans le bois, il faut qu'elle participe. Il y a des tables qui sont disponibles toujours. Il faut qu'elle participe là. Rappelez-moi le numéro avant de quitter aller, madame Yamila. Ok, so si vous avez besoin de moi dans l'office là de lundi à vendredi, numéro c'est 516-299-93-93, extension c'est 153, mais si vous avez besoin de rencontrer en contact ensemble avec moi direct, sous numéro téléphone moi, c'est 917-302-1411, et non, PAM c'est Yaya MPL. Et merci Yaya. Merci parce que ou t'es prend petit temps pour présenter projet a et monsieur que bon paquet monde là qui a regardé vidéo a qui a attendé qui ont même qui a vraiment intéressé surtout me connaît pas petit recrutement. Mon yo bral venir bien habillé, yo bral venir avec CV parce que travail que ce travail là mon yo besoin ça. Donc c'était un plaisir pour me te recevoir dans l'émission mon éditorial avec Yannick qui m'espérer pour prochain fois. Là, n'a pas gagné occasion pour nous reparler encore. Merci en pile. Non, merci beaucoup Yannick. Merci parce que vous t'avez invité dans le show. Moi vraiment apprécié ou même qui prend temps pour mon petit visibilité de carrière faire là, de toute bagaille. Thank you so much for having me. D'accord, merci bien. Bye bye. Bye bye. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les nazis, mon éditorial, c'est tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula, pour qu'il y ait informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle, nous bras le débat.